بسم الله الرحمن الرحيم. Dans le cadre de ses activités, le Centre des études doctorales en sciences et techniques de l'Université Mohamed Ier organise sa 4e édition des conférences intitulées « Culture scientifique, innovation et perspectives destinées aux doctorants » et qui seront diffusées cette année principalement via Google Meet. Cette série de conférences entre dans le cadre des formations complémentaires organisées par le CEDOC Sciences et Techniques. Vu que les places des participants offertes par Google Meet sont limitées, alors un nombre limité de doctorants sont invités. Donc je tiens tout d'abord à saluer chaleureusement nos doctorants en médecine et qui ont contribué à la lutte contre le coronavirus. Je tiens à les féliciter pour leur courage, leur sacrifice pour notre nation. Donc, je passe maintenant à la conférence intitulée « Sur l'évaluation de la recherche scientifique et technique », donc qui va être présenté par moi-même, Abdelmalek Azizi, le directeur du CEDOC. Le plan de cette conférence est comme suit. Donc, je vais commencer par une introduction. Ensuite, je vais parler des sources de citations. Ensuite, les dernières évaluations de la recherche scientifique au Maroc, l'état de la recherche à l'Université Mohamed Ier, classement des universités et des recommandations. Donc, je commence par l'introduction. Ensuite, les sources de citations, les dernières évaluations de la recherche au Maroc, état de la recherche à l'Université Mohamed Ier, le classement des universités, des recommandations. Donc, je commence par l'introduction. L'activité de la recherche scientifique s'évalue par année en fonction des réalisations suivantes. Les publications scientifiques, l'édition des revues et livres scientifiques, les brevets, les projets réalisés, les prix et médailles, congrès, conférences, écoles et ateliers, le nombre de diplômés, insertion des diplômés, postes clés pour diplômés dans les grandes sociétés savantes, industrielles, etc., les financements obtenus, l'infrastructure et moyens mis à la disposition des chercheurs. Plusieurs types d'évaluations peuvent être envisagées et pour différentes raisons. L'évaluation de la recherche dans un pays par rapport à un état précédent pour identifier les points forts et les faiblesses. Les types d'évaluation, il y a l'évaluation de la recherche dans les laboratoires en vue de les classer pour financement, accréditation, évaluation des chercheurs en vue de les classer, concours, recrutement, avancement, financement, l'évaluation de l'impact de la recherche sur le développement. Pour réaliser des évaluations de la recherche, on combine plusieurs indicateurs comme les citations, l'impact factor, le H-index, les méthodes IP pour évaluer les brevets, la valorisation commerciale de propriété intellectuelle. Il y a plusieurs méthodes, la méthode des coûts, la méthode des revenus, la méthode du marché. Et je vais revenir sur l'impact factor et le H-index avec un peu plus de détails dans la suite. Les sources de citations ou les bases de données.
Une base de données, c'est un répertoire où les journaux et revues sont indexés. Pour être indexé, un journal, il doit vérifier les critères qu'impose la base de données en question. Et bien sûr, il y a des bases de données crédibles, il y a d'autres moins crédibles, il y a des bases de données rigoureuses et d'autres moins rigoureuses. Parmi les sources de citation, il y a deux types. Il y a les sources à accès payant, comme le Web of Science, Scopus, Pascal, Science Directe, Springer, Kern et Matsinet, et bien sûr, il y en a d'autres. Les sources gratuites, il y a par exemple DBLP, Sitebase, ResearchGate, Google Scholar et autres. Les indicateurs bibliométriques, comme le H-index, c'est quoi le H-index? Le H-index, c'est le H-index, c'est un nombre d'un auteur, qui dépend de l'auteur, et il a été défini par Hirsch, un physicien, comme étant le plus grand nombre H d'articles de l'auteur qui ont été cités au moins H fois chacun. Le H-index dépend de la base utilisée. Comme exemple, une personne qui a 10 publications, pour calculer son H-index relativement à la base X, il classe les publications suivant leur nombre de citations dans la base X dans l'ordre décroissant. Le H-index, c'est le dernier numéro du classement des publications où le nombre de citations est plus grand ou égal que le numéro de la publication. Comme exemple ici, dans ce tableau-là, donc j'ai pris un exemple. La première publication, elle est citée 80 fois, la seconde 34 fois, et ainsi de suite, jusqu'à la sixième qui est citée 6 fois. Pour la septième, elle est citée 5 fois. Et vous voyez ici que le nombre de citations, il est inférieur au numéro de la publication. Par conséquent, le H-index, c'est le dernier numéro où la publication, ou bien où le nombre de citations est supérieur ou égal au numéro de la publication. Maintenant, je passe à l'impact factor. L'impact factor, il concerne la revue ou le journal. Donc, l'impact factor IF d'un journal X pour l'année Y est égal à IF, c'est C sur N, où C, c'est le nombre de citations pendant l'année Y, par exemple l'année 2019, des articles publiés dans le journal X pendant les années Y-1 et Y-2, c'est-à-dire 2018 et 2017. Pour le N, c'est le nombre des articles publiés dans le journal X pendant les deux années Y-1 et Y-2. Il est clair alors que pour qu'un article A qui figure dans la bibliographie d'un journal X de l'année Y soit pris en compte, il faut qu'il soit publié au moins pendant l'année Y-2 et au plus pendant l'année Y-1. Bien sûr, pendant les évaluations, on utilise d'autres indicateurs, comme le nombre de publications et de citations pour un groupe de chercheurs, le nombre de publications et de citations par chercheur pour un groupe de chercheurs, le pourcentage de la production mondiale, le nombre de publications intervenant dans les journaux à indicateurs ou bien dans les journaux indexés dans EASY, le nombre de publications dans les journaux à fort impact factor, la somme des parts des publications d'un chercheur, la somme des parts des publications d'un groupe de chercheurs, d'une université ou d'un pays. Pour les évaluations de la recherche au Maroc,
La première évaluation qui a été effectuée au Maroc, c'est en 2003, et ça a été fait par le ministère chargé de la recherche à cette époque-là. Après, c'est l'Académie Hassan II qui se charge de l'évaluation de la recherche, et l'Académie a fait trois évaluations jusqu'à présent, en 2009, 2012 et 2019. Je vous donne ici quelques résultats en chiffres des évaluations effectuées par l'Académie Hassan II. Pour le nombre de thèses au Maroc a chuté de 1095 en 2002 vers 751 en 2010 et 963 en 2016. Pour la part mondiale des publications en 2016, au Maroc, donc c'est pour le Maroc, toutes disciplines confondues, la part du Maroc, c'est 0,151%. Par discipline, pour la biologie fondamentale, c'est 0,068. Pour la recherche médicale, c'est 0,077. Pour la biologie appliquée et écologie, c'est 0,125. Pour la chimie, c'est 0,163. La physique, 0,289. Sciences de l'univers, 0,225. Sciences de l'ingénieur, 0,158. Et les mathématiques, 0,344. Ça, c'était la part mondiale des publications par discipline. Donc, je passe maintenant à vous donner une idée sur la part du PIB que réserve le Maroc pour la recherche. En 2006, cette part était de 0,64%. En 2010, c'est 0,73%. En 2016, c'est 0,75%. Si on veut comparer avec d'autres pays, avant ça, je définis tout d'abord le PIB, je rappelle surtout pour nos doctorants, c'est le produit intérieur brut qui est un indice de la richesse d'un pays par an. En comparaison avec les pays développés, pour la Corée du Sud, elle réserve 4,23% de son PIB pour la recherche. Le Japon, il réserve 3,14% pour la recherche. L'Allemagne, 2,93%. Et les États-Unis, 2,74%. La France, 2,22%. Donc, vous voyez l'importance que donnent les pays développés au soutien financier pour la recherche. Ici, je vous donne une comparaison entre l'évolution de la production scientifique marocaine avec certains pays africains. Donc, pour la courbe de l'évolution de la production marocaine, c'est celle en bleu un peu foncé, que vous voyez là. Et en vert, ce qu'on voit ici en vert, la courbe en vert, c'est l'Algérie. En rouge, c'est la Tunisie. En bleu, ciel, c'est le Nigeria. En jaune, c'est l'Égypte. Et en vert, c'est l'Afrique du Sud. Et en bas, derrière nous, il y a le Kenya, le Tanzania, l'Éthiopie et le Ghana. Pour les brevets. Donc, là, c'est un diagramme qui nous montre la part des pays. La plupart, c'est des pays arabes, sauf l'Afrique du Sud. Donc, pour le Maroc, c'est toujours en bleu un peu foncé. L'Afrique du Sud, c'est en bleu ciel. L'Égypte, en jaune. Et l'Arabie Saoudite, en orange. Donc, vous voyez que le Maroc, il était classé troisième
Et il est même classé troisième jusqu'à 2015-2016. Mais en 2015-2016, on ne voit pas ici l'Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte, à cette époque-là, elle vivait une situation particulière d'où on n'a pas assez de résultats pour les mettre dans cette étude-là. Donc maintenant, je passe à certains résultats en chiffres de notre université. Donc là, je vous donne l'évolution des nombres de publications suivant les deux bases. La base de The Web of Science et la base de Scopus. Pour la base de The Web of Science, qui est associée au moteur Clarivate, en 2020, on a 4370 publications qui sont indexées dans The Web of Science. Pour la base Scopus, en mai 2020, on a 5138. Je passe maintenant à vous donner une comparaison avec les universités marocaines. Là, j'ai considéré les plus importantes universités. L'université Mohamed V, l'université Qadi Iyad, l'université Hassan II, l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah et l'université Ibn Tufayl. Là, c'est notre université. Bon, vous remarquez bien que les trois universités, Hassan II, Qadi Iyad et l'université Mohamed V, elles nous dépassent de loin. Et c'est normal car l'université Hassan II, c'est la réunion de deux universités et elle a plusieurs établissements. La même chose pour l'université Mohamed V, c'est la réunion de deux universités. Pour Qadi Iyad, elle aussi, elle a plusieurs établissements qui lui sont attachés. Donc, c'est pour cela qu'on voit que le nombre de publications pour ces universités, il est presque le double que ce qu'on a nous. Tandis que pour l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah, vous voyez ici, pour les publications indexées par Thomson, vous voyez qu'il nous dépasse légèrement. Il y a une trentaine de publications entre nous et l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah. Pour la base Scopus, nous, on la dépasse par une centaine de publications. Pour l'université Ibn Tufayl, vous voyez qu'elle est loin des universités Mohamed Ier et Sidi Mohamed Ben Abdallah, et bien sûr, elle est loin des trois grandes universités. Pour maintenant, je passe à la répartition de la production de Scopus de l'université Mohamed Ier par discipline. Bon, là, vous voyez que la physique et l'astronomie, elle a le plus grand nombre de publications, c'est 1664. La chimie vient après, ensuite sciences des matériaux, l'ingénierie, les mathématiques, sciences du computer, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'il y a aussi les sciences sociales, business and management, il y a l'économie, mais pour ces disciplines-là, le nombre de publications, il est modeste. Là, un autre diagramme qui montre la répartition de la production de l'Université Mohamed Ier sur les différentes disciplines. Maintenant, je passe au brevet à l'Université Mohamed Ier. Pour les brevets, ce que j'ai trouvé à l'université, c'est 8 brevets. 3 pour la physique, 4 pour la biologie et 1 pour la chimie. J'espère qu'il y aura d'autres brevets, car le nombre de brevets, d'après ce que je vois, est maigre à l'université Mohamed Ier.
Maintenant, je passe à l'évaluation des universités en 2020. L'évaluation, elle est faite par plusieurs sociétés ou firmes qui s'intéressent aux évaluations des universités ou l'évaluation de la recherche d'une façon générale. Chacune de ces sociétés, elle utilise ses propres critères. Donc, c'est pour cela, on va trouver de différents résultats de classement. Donc, pour la première société, Ranking Web of Universities, elle nous classe troisième au Maroc, 27e dans le Nord-Africain, 68e dans le monde arabe, 68e en Afrique et 2596 au monde. Pour la seconde société, ES News Best Global Universities, elle utilise Scopus et Clarivate dans ses critères. Elle nous classe quatrième au Maroc, derrière les trois grandes universités. En particulier pour la physique, elle est classée, notre université, 324e dans le monde. Et elle est classée deuxième au Maroc, derrière l'université Hassan II. L'année passée, on était premier, c'est-à-dire en 2018, et en 2019, on est second au Maroc. Elle nous classe d'une façon générale 48e en Afrique, 32e dans le monde arabe. Pour la société Inirank, cette société-là, elle intègre l'enseignement avec un pourcentage important, 30% pour l'enseignement, 30% pour la recherche, 30% pour l'impact de la recherche sur le développement, etc. Bon, cette société-là, elle nous classe 158e en Afrique et 8e au Maroc. Donc là, il me semble qu'il y a un travail à faire, surtout lorsqu'on a ajouté l'enseignement avec un pourcentage assez grand, notre classement a chuté. Je passe maintenant au classement de Shanghai. Shanghai, dans son classement, elle nous classe quatrième derrière les grandes universités. Et ça, c'est un classement important. Et ça concerne la recherche surtout. Donc, pour Shanghai Université, qu'est-ce qu'il utilise comme critère? Donc, pour les critères qu'elle utilise, là, il y a 40% qui est réservé à la recherche scientifique. Ensuite, il y a d'autres pourcentages qui sont réservés aux lauréats, aux anciens lauréats qui ont obtenu des prix ou des médailles à l'échelle internationale. Aussi, il y a un pourcentage aux anciens lauréats qui ont obtenu des postes clés dans les grandes sociétés, soit savantes, soit industrielles, dans le monde. Et dans toutes ces trois catégories, ces trois conditions, toutes les universités marocaines ont eu un score qui est égal à zéro. Le score qu'ils ont obtenu, c'est uniquement dans cette quatrième partie qui est la recherche scientifique. Et ici, pour la recherche scientifique, on fait une distinction entre les publications publiées dans les revues à impact factor assez élevé et les autres. C'est pour cela qu'on dépasse de loin l'université Sidi Mohamed Ben Abdullah, même si dans le tableau que je vous ai montré en comparant notre université et l'université Sidi Mohamed Ben Abdullah, le nombre est presque proche. Une autre évaluation de la recherche scientifique, elle a été réalisée par Monadhamat Mujtama al-Ilmi al-Arabi. Elle est récente,
mais elle concerne les papiers publiés en 2008 jusqu'à 2018. Elle a fait un classement des universités des pays arabes. Elle a classé les cinq premières universités du monde arabe. Malheureusement, aucune université marocaine n'est parmi les cinq premières universités arabes. Et elle a classé aussi les cinq premières universités dans chaque pays. Et donc là, je vous montre le classement de cette société-là au Maroc. Donc au Maroc, il y a un classement avec des points. Donc il y a l'université Mohamed Khamis, Jamia Al-Qadiriyya, Jamia Al-Hassan Thani, ou Al-Saff Rabi, les Jamia Mohamed Al-Awwal, Biujda, ou Jamia Al-Hassan, Jamia Sidi Mohamed Ben Abdullah, هي الجامعة الخامسة. وترون هنا الفرق شاسع ما بين الجامعتين، ولكن هذا ما بين 2018 إلى 2008. وهنا أيضا كان المنظمة أعطت من هم الأوراق الأكثر اقتباسا، فكان الأكثر اقتباسا أحد الباحثين من جامعة سيدي محمد بن عبد الله، وكان العدد ديال الاقتباسات هو 510، والذي ترونه هنا أمامكم. بطبيعة الحال هذا الورقة أكثر اقتباسا، هذا يذكرنا بأن سنة 2019 كان هنالك أستاذ من جامعتنا اللي هو الأستاذ طيبي بن هدال، اللي كان أكثر اقتباسا في 2019 في المغرب على لا باز دو دوني ديال ويب اوف سيونس. هذا فيما يخص الترتيب، يعني لي كلاسمون دي زونيفرسيتي. اما الان سامر او ريكومونداسيون، لي ريكومونداسيون سويفونت لي زونت ايتي دوني بار لاكاديمي حسن دو اون غروند بارتي، اي سا كونسيرن توت لي زونيفرسيتي ماروكان اي لا ريشيرش سيونتيفيك او ماروك دين فاسون جينيرال. L'Académie Hassan II recommande d'accroître le nombre et la qualité des chercheurs, augmenter l'effort financier national, renforcer les partenariats entre l'université et le monde de l'entreprise, développer la pratique de l'innovation aux produits made in Morocco, améliorer de manière résolue l'enseignement des sciences et la diffusion de la culture scientifique, doter le système national de recherche de structures de gouvernance appropriées et de la pratique de l'évaluation à tous les niveaux. Elle conclut dans son rapport en soulignant que le succès d'une telle politique dépend dans une grande mesure de la reconnaissance de la fonction recherche et de la pleine conscience de son rôle comme levier principal du développement économique et social du pays. Pour notre pays, pour notre université, en plus des recommandations précédentes, on souligne qu'il faut augmenter la visibilité de notre production, encourager les brevets, les jeunes inventeurs et l'excellence, publier les programmes de formation offerts dans nos facultés et écoles, assurer un suivi de nos lauréats et surtout ceux qui possèdent des postes clés dans la société, mettre à jour les informations sur les sites web des différents établissements. Donc la bibliographie utilisée, bien sûr, il y a l'évaluation du ministère chargé de la recherche en 2003,
les évaluations de l'Académie Hassan II en 2009, 2012 et 2019, la base de données Scopus, la base de données Clarivate Analytics. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Selmak pour votre présentation. On a un certain nombre de questions. Je vais partager l'écran avec les questions et vous allez donc les parcourir question par question. Et en même temps, donc, je ne sais pas si le temps va permettre pour répondre à toutes les questions. À la limite, s'il y a aussi, donc, si tu veux prendre quelques questions en direct, donc, comme vous voulez. Je vais donc rapidement partager l'écran, comme ça, pour voir les questions qui sont posées par les différentes personnes présentes. Il y a une première question qui est ancienne en réalité. Comment expliquer la chute du nombre de thèses en 2002 vers les autres années? Bon, l'explication ici, la chute totale, c'est parce que avant 2002, il y avait les thèses, il y avait l'ancien régime, c'est-à-dire il y avait les enseignants qui partaient à l'étranger pour préparer leur PhD et ils viennent ici pour soutenir leur thèse. Donc il y avait un grand nombre de thèses qui ont été soutenues à cette époque-là parce que le système allait changer vers un autre système. Donc c'est pour cela qu'il y avait une grande masse de publications de thèses à cette époque-là. Edmar, tu as sauté la première question. Regarde la suite des questions. Il y a la question de Azriou Kamel. Donc, je ne sais pas. Tu ne vois pas mon partage? Non. Ah oui, donc ici. Donc, maintenant, je vois. Donc, mais malheureusement, quelle est la différence? La différence entre H-index et l'impact factor. Oui, le H-index, c'est un indicateur qui concerne l'auteur. Et l'impact factor, il concerne le journal. C'est ça la différence. Le H-index, ça concerne l'auteur. Et l'impact factor, ça concerne le journal. Et pour l'impact factor que j'ai défini déjà dans cette conférence-là, j'ai insisté sur l'impact factor défini sur 3 ans, mais on peut définir aussi l'impact factor sur 5 ans. Mais ça concerne toujours le journal. D'accord, tu passes à la troisième question, c'est en gris. Question de la langue, l'anglais. Oui, bien sûr, l'anglais il est très important. Donc, si on arrive à passer vers l'anglais, donc c'est toujours bénéfique pour nous. Donc, ça, c'est évident. Donc, d'accord. Ensuite, oui. Ma question. Oui. Car ici, je n'arrive pas à voir très bien, donc c'est petit. Donc c'est pour d'accord, donc je vous lis les questions rapidement. Oui. Donc ma question, normalement lorsqu'on fait des statistiques, des comparaisons, etc., des productions, on les fait juste, donc on fait un total, on a 4000, on a 5000, etc. Mais on oublie combien de personnes ils sont en train de travailler derrière. Mais normalement, il faut faire des comparaisons, des productions par nombre de profs, c'est-à-dire combien chaque personne ou chaque auteur ou chaque professeur produit. C'est comme ça qu'on fait les comparaisons. Mais lorsque je prends les statistiques de l'université Hassan II, au Qadi Iyad ou Mohamed V à Rabat, donc ils ont, je crois, plus de professeurs que l'université Oujda. Ils ont le budget il est un peu doublé par rapport à Oujda, etc. Donc ça, on oublie tout ça. Vas-y. Oui. Non, exactement, c'est bien ça, car j'ai rappelé au début que, par exemple, l'université Hassan II, en réalité, c'est la réunion de 2 universités. Et chaque université,
elle avait plusieurs facultés, plusieurs écoles. Et chaque école, elle possédait plusieurs chercheurs. Donc, le nombre de chercheurs dans ces universités, il est énorme par rapport aux chercheurs dans notre université. Et la même chose pour l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah. Elle a un grand nombre de chercheurs. Il est plus grand que nous. Donc, notre score, en réalité, il est bien. Donc, pour notre score, il est très bien vu le nombre de chercheurs. Mais en principe, pour les études de classement, etc., il y en a certains qui utilisent des normalisations. C'est-à-dire, on normalise par rapport au nombre de chercheurs. D'accord, c'est demain qu'on passe à la question suivante. Mais je ne sais pas si on a assez de temps pour répondre à toutes ces questions-là. On doit passer à la conférence suivante. Donc, c'est à vous de décider. Donc, si tu veux donc ajouter une question ou oui, donc une question et on passe à l'autre présentation. D'accord. La question suivante de Yassine Iyashi. Donc, est-ce qu'il y a un indicateur pour... Il y a un indicateur, c'est le nombre de doctorants par université. Est-ce que, pour déduire le nombre de publications par doctorant? Est-ce qu'il y a aussi, donc, comme il y a un H-index, etc. Donc, le H-index, ça ne concerne pas uniquement donc, les professeurs, ça concerne aussi les doctorants. Oui, le H-index, il concerne tout chercheur. Donc, indépendamment, enseignant ou non. Donc, le H-index, ça concerne un chercheur, n'importe lequel. Donc, on lui calcule son H-index. Est-ce qu'il y a donc, d'après la question, est-ce que le nombre de doctorants, est-ce qu'il fait partie de l'évaluation des universités? Bien sûr, par exemple, pour les évaluations faites par l'Académie Hassan II, ils font entrer le nombre de doctorants. Donc, ça fait partie de l'évaluation. Le nombre de doctorants, il est inclus. D'accord. Donc, le reste des questions, donc je vais vous envoyer donc toutes ces questions-là. Et puis, il y a les noms des personnes qui ont posé les questions. Donc, chacun, donc, il peut voir donc son nom donc, sur la liste des questions. Et puis, donc, vous pouvez donc communiquer avec eux plus tard donc, par email pour répondre à leurs questions. Inch'Allah. D'accord.